Ah, mais je suis d'accord avec toi, Jacqueline. Hein. Ah ouais, la vie est chère. Hein. Oh là 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 là. Ah, qu'est-ce que c'est cher, hein, man. Oh là 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 là. Puis c'est nous, hein, les fonctionnaires au Conseil Général, hein, c'est nous hein, qui en subissons les premiers des effets pervers. Hein. Ah si. L'autre jour, on était en pleine canicule. Non, mais pour te dire comment la vie est chère. L'autre jour, on était en pleine canicule. Je me dis, bon, bah, Gisèle, tiens, il faisait un peu chaud, tu vois. Bon, bah, alors, tu vois, tiens, bon, moi, je suis comme toutes les femmes. Hein, j'adore me faire... je vais chez le glacier, quoi, tu vois. J'aime bien me faire rafraîchir le cornet, moi, quand il fait un peu chaud. Puis... Non, mais... Ah, bon, on se comprend. Et alors? J'arrive chez le glacier, tu vois, puis la fille, elle met deux boules chocolat pistache, 6,60 €. 6,60 €. L'autre, elle me dit, vous voulez une boisson avec? Ben, je dis, bah oui, maintenant qu'on a cassé mon PEL, on peut se venger sur mon code de vie. Qu'est-ce qu'il y a, José? Je suis en train de parler boulot, là, avec Jacqueline. Hein. Donc là, Oh, le con, dis donc, il a passé mon anniversaire. Oh, j'ai 52 aujourd'hui, je fais plus. Merci, José, merci. Ah, elle a bise, hein. Eh, Gisèle, elle a la bise, hein. Ah, elle a bise, hein. Ah, c'est mon anniversaire, c'est moi qui commande, hein. Allez, moi, j'en veux 4. Moi, je suis une parigote, je suis une gourmande. Moi. Ah, dis donc, puis je pensais pas, hein. Ah, mais non, mais on n'est pas copains-copains, tous les deux. Oh, ben je sais toutes les saloperies que tu racontes sur moi au CE. Hein. Oh, la Gisèle, elle pue, elle est négligée, elle a de la moustache. Hein. Si y en a une qui a de la moustache, ici au Conseil Général, c'est Jacqueline. Hein, bon, alors. Si Jacqueline, t'as de la moustache, si, on en parle après. Si Jacqueline, t'as de la moustache, si, si. Ça fait 5 ans qu'on t'appelle Magnum, c'est pas à cause de la Ferrari, hein. Il est parti où ce con? Alors attends, je termine, le coup de la vie, le coup de la vie. Et alors, donc je sors et je me dis, tiens, je vais me faire des courses de vêtements. Parce que c'est vrai qu'à 52 balais, ça suffit d'être habillée comme une jeunette. Bon, il y a un moment, faut prendre ses responsabilités. Donc je sors de chez le glacier, je file chez Pinky, et... Madame Choupard, vous avez oublié votre catalogue de la Redoute dans la photocopieuse. C'est pas grave, hein, tant que c'est pour le boulot, on y croit tous. Alors... Bouge pas, j'ai un petit mail. Alors, les petits mails de la direction générale. Si tu veux te faire limer le fion, Gisèle, tape slash. C'est pas la direction générale, ça, hein. Ou alors, il y a un pot de départ qui s'est mal fini, tu vois. Ça, c'est encore Patricia, là, qui veut savoiner toute la boîte, là. Patricia, vous dites à vous arrêter avec vos conneries de Outlook, de MSN, de QuickTime, de merde. Alors, Gisèle est colère. Hein, vous dites à votre nouvel amant de la maintenance, là, monsieur Pereira Eusebio. Hein, alors bon, c'est un Portugais, je ne sais pas s'il connaît Internet. Mais là, il faut lui dire qu'il est en mail groupé. Hein. Ça veut dire que quand il vous répond à vous, il répond à tout le bureau. Hein, bon, voilà. Et ça commence à bien foutre vos cochonnailles, Patricia. Hein, on est au Conseil Général, ici, on n'est pas à 36-15 fions. Il a ses chaleurs, le Portugais, qui boit un coup de Porto à ma mère et qui monte la clim. Parce que si c'est maman qui descend, la maintenance, hein, on va la faire dégonfler à coup de pompe à vélo, son kiki, à Garcimore. C'est toujours pareil dans les boîtes. T'es là, t'es bien, t'es tranquille, t'es fait chier personne. Moi, je suis à 3000 points au solitaire. Hein? Je suis à 8 contacts sur MSN, hein? Je suis à 17 heures par semaine, je trime comme une chienne. Et il y a Pereira qui n'a pas trempé sa nouille depuis 15 jours, qui va faire chier tout le bureau. Mais fuck Pereira, fuck! Ah, je dis fuck à qui je veux, Jacqueline. Dessert ta gaine, hein, si t'es pas contente. Fais-les respirer un peu, les varices, hein, écoute. Arrose-les. Merde, alors. Toujours pareil, tu vois. Ouh, puis moi, Jacqueline, je serais pas la Maline, hein. Je serais toi, avec tout ce qui traîne sur toi dans cette boîte, je me ferais toute petite, hein. Enfin, si je pouvais, avec le cul que t'as. Si t'as un gros cul, Jacqueline, si. Si, quand on peut pas prendre l'ascenseur autrement que de profil, on a un gros cul. Hein? Si toute la graisse que t'avais dans le cul, tu l'avais dans le cerveau, tu serais prix Nobel, hein, ma vieille, hein. Ouh, bah arrête, hein. En parlant d'ascenseur, il y a un nouveau vigile à l'accueil, il est bel homme. Hein, il est bel homme. Hein. Ah, il est bel homme. On dirait Jean-Pierre Raffarin, il est bel homme. Hein, il est bel homme. Ah, il est bel homme.
En moins voûté, bien sûr, parce que l'autre, c'est... Mais par contre, on comprend rien ce qu'il dit. Ah, ça, les vigiles, on comprend rien. On comprend rien. L'autre, il parle avec des consonnes, on comprend rien. Merde, alors c'est l'accueil d'une boîte, un vigile. L'autre, il vient des pays de l'Est, là, de la Roumanie, là, de la Caravanie, la Gitanie, je sais pas, moi, c'est pas possible, là. C'est après Moscou, je sais pas d'où il vient de Mulhouse. Quelqu'un connaît personne, on sait pas. On sait pas où c'est, Mulhouse. Mulhouse. Et le clébard. Le clébard, il est au taquet. Hein. Oh, l'autre jour, j'ai oublié de mettre mon passe dans la machine. Oh là 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 là, l'autre, il m'a déchiré, hein, déchiré. La jupe. La jupe, non, non, mais. Hé, hey, il m'a refait les. Hey, j'avais plus un poil sur la tabarre passée, hein, Jacqueline. Hé, hey, j'avais mon épilation jusqu'à la fin des vacances, hein, je peux te dire. Ouais, là, on retourne à Clermont-Ferrand, ouais, ouais, ouais. Ben, c'est là où on s'est connus avec mon Claude, il y a 18 ans, ouais, ouais. Ah là 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 là, on a fait les voyages, comment, fait sur les sites, là. Les billets, les voyages dégrafés, là, ouais. Paris-Clermont-Ferrand, 4 euros, c'est pas cher, hein? 4 euros, plus 1800 euros de taxes, 1804. Hein. Pas cher, hein? Ah, c'est marrant, ça fait toujours un truc de raconter l'endroit où t'as rencontré ton chéri pour la première fois. Toujours un petit truc au ventre, hein? Et au cul aussi. Ah, mais nous, on avait un petit jeu érotique au début de notre union. Oh, bon, c'est un petit, je te donne le truc. Pour s'exciter un peu mutuellement, mon Claude, il me badigeonnait le corps aux chaussées aux moines. J'allais dans la baignoire, je soulevais le panty, puis il me balançait des sacs de fromage à la gueule. Ah, c'était torride, écoute, on se serait cru dans le Jura. Et quand notre couple... Ah, c'était, je voulais pas en parler. Et quand notre couple a commencé à battre de l'aile, j'ai dit, mais Claude, c'était son petit encas, c'était toujours mon petit encas. Et alors, j'ai dit, mais Claude, pourquoi tu ne me refais plus ton petit encas, là, ton petit jeu érotique? Mais il me dit, mais Gisèle, à ton âge, regarde-toi, avec la gueule que t'as, c'est plus un encas, c'est une raclette.